Un joueur il souffre, surtout défensivement. Est-ce qu'il va pouvoir compenser? Il trouve un tir ouvert. C'est pour Kyvon Davenport, c'est pas sa réputation première. Ce que j'allais dire, il vous a entendu, il a dû dire. Trouver des certitudes, ces Orléanais. C'est statique, c'est très statique du côté des Mets. On se remet au talent. Et le talent, c'est pas suffisant parfois. Ah, et pour l'instant, ça court, ça va vite. Chaque côté, l'explosion. Il est sorti de l'aéroport. Il a décollé. Kyvon Davenport. Tout droit. Mission décollage. Mission Thomas. Et le souffle dans ce premier carton. Guinat, il était inspiré tout à l'heure. Là, c'est un tir très difficile. Très contesté, hein, Fred. Davenport, défensivement, il est là. Regardez, après, il court. Oh, il va partout. Il va est intouchable. Il est intouchable, Davenport. 2+1 à suivre. Il est très bien aussi. Oh, ça court, ils sont dépassés. Hein. Dans la vitesse de contre-attaque orléanaise, les Mets. Et voici Olay à la maison. 10 points, 11 rebonds, un double-double pour son premier match à Orléans. Pour commencer, c'est pas mal. Warren. Davenport. Eh oui, c'est plus agressif. Hein. Novembo Okolo, vous avez vu. Oh, il joue libéré. Il joue complètement libéré. Et il y en a un qui est insaisissable. Intouchable. Davenport qui enchaîne. Il devient intouchable. Et on arrête le match. On revoit cette claquette là. Ah, le timing parfait. Hein. Ah, on le sait bondissant. Hein. On le connaît. On l'a pas, on l'avait vu du côté de Cholet un petit peu. Même si... Je crois qu'ils l'ont fait une deuxième fois déjà dans le championnat. C'est incroyable. Quelle défense. Il continue à s'en sortir. Mais quel match il est en train de nous proposer, Davenport. Nick, hein. Wow. On a du mal à croire que cette équipe a mis 108 points à Monaco. Et regardez, Davenport. Non. Et oh non. Que se passe-t-il? Il est possédé, Davenport. Il a rien raté. Pour les Mets, hein, d'avoir dit que c'était pas un shooter, parce que ça a dû l'énerver, vraiment. Qu'est-ce qu'il est en... Enzoli... Il s'écarte, Warren tire à 3 points manqués, oh, mais Davenport est partout, il saute plus haut, il va plus vite. Le bon qu'il prend là, il est assez incroyable. On va le revoir hein, dans les hauteurs, plus haut que Hunter, beaucoup plus haut. Mais surtout, vous avez vu, après il fait le tour de Hunter, mais en deux pivotés. Warren, à la mobilette, elle accélère la mobilette et elle trouve une extra passe, signée Enzoli, catch and shoot, le troisième, le 3 sur 3 à 3 points. Monsieur Davenport. Ouais, il est bien aidé par Enzo. Ah, il est temps. Il toujours faut pas, qu'il mette ses shoots. Toujours pas pour Marcus Paige. Marcus Paige qui va sortir. 0 sur 2 à 3 points de la salle. La ville aussi, je crois. Hein. De la ville. Davenport. Et il continue. Il y aura deux lancers. Est en double-double, mais ça vous le saviez déjà. Par contre, un double-double avec 20 points et dire bon, ça pourrait être intéressant. C'est ça pas mal. Ah, on en reste à 19. Carrière LNB, Kyvon Davenport. 20-10 officiel, double-double. C'est à celui qui finira KO. Et les bonnes mains, Paige qui se rattrape. C'est shoot raté. Warren, ça court. Davenport, le héros de la soirée. Point d'interrogation encore. Davenport. Ouais, ça courait dans tous les sens. Hein. Avant les lancers, Cummings. Il y va tout seul, Will Cummings. Ouais, bien défendu. Le ballon dans les mains de Jeremy Enzoli. Davenport tout droit. C'est lui qui jette les bras. Et il y aura deux lancers. Net la faute. Elle est propre pour moi. Il y a plusieurs critères. Et un des critères, c'est la dureté de la faute. Je ne la trouve pas super dure. Donc... Dans ce cas-là, non. Et comme il a entamé son mouvement, on n'est plus sur une coupée, la contre-attaque. Donc c'est ce qui est un autre critère. Aïe. Ça coin, un double-double monumental. 22 points. 10 rebonds. 11 rebonds maintenant. Et qui met le deuxième. Bon, sur cette deuxième période. C'est pour égaliser. Il se décale finalement. Endoy. La main gauche. Et le 2+1 pour égaliser. Pourquoi pas. Et il reste une minute tout pile. Youssou Endoy, hein, qui s'est pas fait copain-copain avec les arbitres tout à l'heure, et vient racheter sa faute tout seul, comme un grand. Le N1 sur Vince. Qui est prêt à imploser. Des images magnifiques.
les joueurs qui se donnent à fond. Hop, 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 hop.